Si on allait en allemand, on va rechercher le MiG 3. Voilà, spend. Voici mon allemand 5.3. Même règle, interdiction de se tuer entre vos tours. Allemand 5.3. Je vous laisse 5 minutes pour vous faire un petit... un petit roster. Je viens avec mon typhon. Bah techniquement en 5.3, en 5.3 t'as quoi en anglais? 5.3. Ah, y a du Spitfire LF, y a de typhon, ouais, tu viens avec le typhon, hein. Le typhoon ça passe. Tempest c'est peut-être un peu haut, ouais. Mais ouais, ça passe, les typhoons passent, les Spitfire Mark 9 passent. Y'a de quoi faire, hein. Y'a de quoi faire, hein. Donc ouais, 5.3. Et je propose qu'on lance. Tout le monde est prêt? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Allez. Là, ça va changer, hein. C'est pas la même, hein. C'est pas la même, là. MB5, Martin Baker? C'est quoi? C'est pas du prototype de merde, ça? Martin Baker 5? Je pense, hein. Alors. Bon, il y a peut-être pas de vautours encore. Ils ont pas eu le temps de changer leurs avions. Non, visiblement, non. Ah, si, il y a Tora, Tora, Tora. Bonne chance, Tora, Tora, Tora. Regardez, il est pas beau, mon Focke-Wulf. Hein? Premium anglais. Oh là là, ça a claqué la carte bleue. Ou alors ça a grind de façon agressive, n'est-ce pas? Il est beau, mon petit Focke-Wulf. Hein? Bir 4 là. On va voir si je peux tomber sur le Bir 4. Non, je vais choisir l'autre fois que vous, ça va. Ah non, non, non. Aïe, aïe, aïe. Trop rapide. Allez, le Mustang, je m'aligne. Wolf. J'ai eu une option, hein, sur le... J'ai eu une option sur le Mustang, c'est moi qui est mal visé. C'est autre chose, hein, cette ASBR. Une passe. Un J21, c'est quoi ce machin? C'est un truc suédois peut-être? J21? Des avions, je connais pas de cette génération. C'est généralement des trucs neutres et tout. Ils n'ont pas eu des grosses carrières. Suède? Ouais, c'est ça, c'est du suédois, ouais. Ok. Oh, non. Oh, les deux, c'est pas possible. Il y a un B-17 là-haut, on va aller le chercher. Vous avez vu comment c'est moins fun tout de suite que les biplans? Vous avez vu comment on se fait chier tout de suite? La différence? On s'emmerde quand même.
Oh, il est loin. Non, mais ça va, j'ai autre chose à faire qu'aller chercher un mec à 6 bornes. Il n'y a plus personne là. Ah, là-bas, un PB4 qui arrive dans ma direction. Ouh, un BF-109. Ça, c'est pas bon. Hein. Affronter un BF-109 sans l'avantage de l'altitude, c'est pas bon du tout. Il m'a vu arriver, il va attendre le dernier moment pour casser sa formation, sans aucun doute. Voilà, il casse. Je vais avoir une passe et après je me barre. Ah oui, d'accord. J'ai même pas vu ce qui s'est passé. J'avais oublié à quel point ce BR est nul, hein. J'avais oublié à quel point ce BR est nul à chier. À quel point c'est affreusement pas fun. J'avais oublié. Écoutez, ça fait bien, c'est bien de se rappeler. C'est bien de se rappeler. Le fun. Vous voyez, on retrouve des airs de réa, mais sans la réa. Quand je pense tout à l'heure, je m'éclatais avec mes biplans. Allez, là, le mec va bien me faire une petite attaque frontale. Avec son Focke-Wulf. Bon, on va l'ignorer. On va aller chercher cela. Tout ça, les missiles au secours. À propos d'absence de fun. Oh, mais il les mange trop vite! Oh, le Mustang qui arrive vite en frontal. Bon, regardez lui là. Il vient pour moi. Hein. Qu'est-ce qu'il fait le F-82? Un F-82, un Twin Mustang. On va aller voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà, là, je vais décrocher. J'ai le temps. Ouais, ouais, j'ai de la marche. Les canons de 20 qui marchent bien. Oula, il y a du monde derrière. Je me barre d'ici en vitesse. Là, il va essayer d'attaquer le zéro. On va essayer de l'aider. Voilà, je suis en limite de portée. C'est compliqué. Allez, on va tenter. À la limite du décrochage. Oh non, ah là 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 là, c'est pas bon. Trop gourmand. Oh, il est d'accord, il fait l'envie de la gueule. Bravo. Et là, les games sont beaucoup plus lentes alors qu'on voudrait des games plus lentes avant. Allez. Là, j'ai la posture idéale pour un Focke-Wulf. Oh, il l'a eu. Oulala. Il est là, le BF-109. Oh là là, mais ça va trop vite pour moi. Oh là là, je ne touche même pas. J'ai même pas réussi à le toucher. Il sait jouer, hein. Et moi pas. Regardez, maintenant, un dogfight contre un BF-109, la pire chose à faire. Parce qu'il me mange totalement. On va le laisser lui. C'est possible. Je l'ai eu. Oh, les canons de 20 quand ça touche. Les canons de 20 quand ça touche, c'est quelque chose. Hein.
Aïe 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 aïe, j'ai sauté. Oh là 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 là, je suis chaud. Il y a de l'action là, hein. Ah bon, j'ai tué un vautour? J'ai même pas vu, hein. Mais y avait pas d'ennemis tout à l'heure. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, je suis cuit. Oh, y'a un P38 là. Le BF, ça va pas. Y'avait pas écrit dessus, hein. Oh là 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 là, on est proche. Oh là là, je suis cuit. J'ai un aileron en vrac. Oh non, c'est un vautour, ok, j'avais pas vu. Tora, Tora, Tora. Wouh. Ok, Tora, 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 je te laisse tranquille. Ouais, j'ai de la chatte là, sur ma fin de partie, j'ai de la chance. Hein. Beaucoup de chance hein. de pas m'être craché déjà. Y'a un Tony là, qui flambe. On va peut-être le voler. Non, il se crache, il est foutu. Ok, je vais décrocher de là. Je suis trop exposé. Ah, très 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 mauvais choix. Hein. Attaquer en dogfight un Mustang avec un Focke-Wulf. Très 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 mauvaise idée. Oh, un Tora Tora avec un Messerschmitt 264. Allez, on vire. Il y a peut-être un monde où... Allez, 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 allez. 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 Non, ouais, j'étais cuit déjà. Je suis pas bon, moi. Les attaques frontales comme ça. Hey, qui l'assiste? On a perdu, mais j'ai bien travaillé. J'ai bien travaillé. On a perdu à pas grand chose. Troisième de la team, 6 avions abattus. 1. On va aller voir ce qu'on fait les quelques vautours. Propre. Alors, regardez ça. Pas mal, hein. Bon, Tora, Tora, Tora est à 6 kills. Bravo. J'ai pas réussi à être devant. J'ai 2 assists. Mais il a plus de points. Il y avait qui d'autre? Il y avait qui d'autre? Bah, il y avait qu'avec nous deux, je crois. Il y avait que nous deux. Hein. Bravo, Tora, Tora, Tora. Moi, je t'ai pas tiré dessus. Alors, qui m'a dit qu'il y avait un autre vautour? Parce que je crois pas. J'ai pas vu un autre vautour dans le tas. Je crois pas, en tout cas. À part Tora, Tora, Tora. J'ai tué Tora, Tora, Tora une fois? Bah, c'est Tora qui a buté. Ah, bah, mon erreur. Désolé, j'ai pas vu. Littéralement. J'ai pas fait gaffe. Mon erreur, désolé. J'aurais dû faire plus attention. Mille excuses. Après, j'ai fait attention quand j'ai vu. Ouh, le Heinschel 129. Bon, on recommence. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
un bel avion, le Focke-Wulf, quand même. Hein. On peut dire ce qu'on veut du Focke-Wulf, mais les 4 canons de 20, ça dépote quand même. Hein. Bonne plateforme de tir. Hein. J'ai pas hâte de tomber là face à du Typhoon, là. Les Typhoon, là, ils ont un armement similaire au Focke-Wulf. Ça fait bobo. Hein. Regardez, il y a moins de gens qui jouent. Bah ouais, les gens ont compris que c'était pas fun. Au-delà d'un certain tiers, le jeu. Regardez ça. On trouve personne qui veut jouer. Alors qu'en en arcade, arcade biplan, vous claquez du doigt, vous avez des games. Allez. Statistiques, qui on a avec nous? Oh, il n'y a aucun vautour. Oh, c'est ballot ça. Aucun vautour. Bon, bah tant pis. Hein. Je suis tombé avec TPS. Ouais, ça a dû se jouer à pas grand chose. Parce que là, j'ai aucun vautour. Vous avez dû être mis dans la game juste avant à pas grand chose. Peut-être pour ça que c'était aussi long. Oh, regardez-le, s'il est pas beau, mon Focke-Wulf. Super. Bah, bonne chance à vous, hein. J'adore cette mission. Il faut se poser sur l'aéroport. Hein. Il y a du monde, hein. Oh là là, il y a du monde. On va être patient parce que j'ai pas le meilleur avion SBR. Mais j'ai 4 canons de 20, ça peut faire mal. Faut que je sois opportuniste. Parti là, par exemple, le P8 est une cible de choix pour moi. C'est pas juste! Je me suis fait ramer par une épave! Attendez, il y a un monde. Non, wouah! J'ai eu l'assist! J'ai eu une assist, je ne sais pas comment! J'ai eu une assist! Oh, c'est un damage kill qu'il a eu. Elle a 5, bravo! Allez, on amène mon meilleur Focke-Wulf. Ah, ils ont recapturé l'aéroport. On va pas se laisser distraire par lui là, ils vont l'avoir, ils sont à trois dessus. Oh là là, c'est qu'il y a beaucoup de monde là. Il fonce. C'est pas la tactique que j'affectionne, mais c'est pas grave. Des Dornier 2 335 SBR. C'est terrifiant ça.
Ça doit être rapide, hein. Dornier de 335. C'est du premium ou c'est du... ou c'est de l'avion normal? Oh! Oh, je l'ai pas vu. Je suis encore dans la game. Ah, tiens, je t'aborde. Je t'aborde comme un caca. Qui l'assiste? Allez, je vais essayer de me poser comme une fleur. Non, laisse-moi me poser! Non! Dommage. Allez, joli, hein. 185. Allez, petit F109. Oh là 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 là, là c'est moins bon cette game, hein. C'est plus compliqué. Hein. Cette game, c'est plus compliqué. Hein. C'est lui qui m'a tué tout à l'heure. Oh, il revient, il veut me finir. Oh, encore un rameur. Affreux ça. Ah non, il attaque le B-17 là-haut, ok. Alors, bonjour. Ah, il y a deux Dornier de 335. Quelle est la différence alors? Il n'y en a pas eu 50 000 des Dornier de 335. Et bientôt, il y aura plus de Dornier de 335 dans le jeu qu'en vrai. Oh, le Mustang qui sauce ça. Tabache sévère, allez on se barre. Oh, il y a un X-185 qui arrive, pleine balle. Allez, viens la gamin. Qui t'a lâché? Oh, je l'ai eu. Oh là là. Wouah. Allez. Allez. Non. On a repris le point. Qui l'assiste? Oh, c'est un P400 qui m'a eu. Magnifique. Bon allez. Eh, j'amène le biplan les gars. On troll. On troll. Regardez-le! On va troller avec le biplan. Avion unique qui est plus dans le jeu. À quel point... Ah, ça montre à quel point je suis un boomer. Je vais essayer de me poser. Vous savez quoi, je vais... Oh là là, attendez. Le Messerschmitt 264, là. Vous pensez qu'on peut abattre un Messerschmitt 264 avec un biplan? Oh bah ok. Oh, il a repris, ils ont repris l'aéroport. Je vais tenter une approche très lente. Oh là là, la quantité d'avions qui arrivent. Belle game, hein.
tenter de me... Je vais tenter de me reposer. Hein. Je vais tenter de me reposer. Merde, il y a un Mustang là. Ah ouais, il y a un Cossons, un Mustang. Allez, je tente l'atterrissage. Brutal. Pose-toi. Je suis trop rapide. C'est un chinois. C'est le Pessa. Bon, j'ai plus d'avion. J'ai le Junker. En désespoir, les gars. Bombardier. Regardez-moi ce monstre inutile. Je sais pas comment on larme les bombes dans le jeu. Techniquement, c'est un chasseur, hein. C'est un Junker 88C, les gars. Attendez. Est-ce qu'on pourrait pas steal un kill? Loupé! Pourquoi j'ai autant de backup sur mes avions? C'est pas possible, il veut me forcer à jouer. Laisse-moi disparaître. On a perdu, laisse-moi disparaître. Il est beau, il sert à rien mais il est beau. Voilà, je vais me faire manger mais à une vitesse. Je l'ai eu, hein. Regardez, ça c'est moi, ça. Bah, j'avais pas retourné au hangar, alors je sais pas. C'était amusant, en tout cas. J'ai abattu un P-47 avec mon biplan. Je suis extrêmement fier. C'est mon heure de gloire. 10. Bon, je sais pas si les gens sont prêts ou pas. 10, 9... 8, une dernière, hein. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! C'est plus fun les biplans quand même. C'est plus fun. C'est quand même fun, mais c'est plus fun les biplans. Défaite, bah ouais, défaite. Hein. Défaite, malheureusement. On en chie pour trouver, hein. Compliqué, hein. C'est espace pour larguer les bombes. Bon, ça tombe bien, je prends jamais de bombardier. Je sais pas trop à quoi ça sert. C'est un jeu où faut tuer les ennemis, non? On s'en fiche de larguer des bombes sur des cibles statiques. Je vous dirais qu'un bombardier, j'aurais des problèmes. Hein. J'aurais des problèmes en ce moment, les gens sont tellement trigger par ça. Oh, le CAC boomerang, quelle abomination. Bon alors... Oh, la même mission, c'est génial. Bon... J'ose. On troll. Joue RP, bah écoute, je vais jouer RP. Hein. Biplan. Il faut se poser sur les aéroports, c'est ça? Sur les trois aéroports? Ah, la perceuse du voisin qui est avec moi. On ne peut pas perdre. Alors, il y a Hector avec moi, Elric. J'ai pas quitté la perceuse du voisin. Enfin, faudra écrire ton pseudo. Et en face, on a Stan Barney. Bon, rappelez-vous, on n'a pas le droit de s'abattre, les gars.
Mais ça va pas. Ah, la personne de voisin, tu es Eric. Ok. Bah, je t'ai vu quelques fois déjà. Oh là là, hé, hey, je suis avec un biplan, hein. Je suis avec un biplan. Je cherche les problèmes. Je vais aller où il y a des alliés plutôt. Où sont les alliés? Les alliés là? Les alliés sont là-haut. Je suis trop bas. Oh, il m'a eu. Oh, il m'a pété un bout d'aile. Mon moteur est foutu. Je vais aller essayer d'aller sur B. B est pas loin. Non, je suis pas récompensé. Oh, dommage. Bon, on va amener un vrai avion. On va amener un vrai avion cette fois. J'aurais dû aller sur A. C'était le bon plan d'aller sur A en fait. B17, il va le finir. Bon, on va aller sur C. C'est d'aller quel. Mais je comprends pas. Sur cette mission, il faut se poser sur l'aéroport. Ah, il y a Hector en Typhoon là-bas. Il faut se poser sur l'aéroport. Ou alors il faut juste passer au-dessus, ou comment ça se passe? Rouler dessus pour cap, ok. Oh là là, il y a du monde là-bas. Tu peux redécoller derrière, d'accord. Trop rapide. Descends, tombe, va. Non. Non. J'ai loupé. La catastrophe. J'ai loupé mon roulage. Oh là là, il va me finir. Le Yak 9, il va... Oh, je suis foutu. Ah, je suis pas bon. Oh, que je suis pas bon. Bon, on va arrêter de vouloir se poser parce que j'y arrive pas. On va juste se faire poum poum, hein. On va laisser les bons joueurs. Je vais laisser les bons joueurs se battre, hein, parce que sinon je vais pas m'en sortir. Je vais laisser les bons joueurs se caper et se poser parce que moi j'arrive pas à me poser, hein. C'est trop compliqué, c'est une tâche trop compliquée pour moi. Allez, Alric avec son MB5, vas-y, défonce-le. Allez. Oh, il l'a eu, magnifique. À la bagarre. Oh, il l'a eu. Oh, Elric qui refait encore du... Ouais, on a un Fog Wolf qui arrive. Wolf. Eh, je vole encore. I have not dead. Je vole toujours. Regardez, je vole toujours. Oh, choc velours 50 mois, putain. L'ancêtre choc velours.
fait sortir mon Joker 88 pourri. Et on va essayer d'aller se poser sur A. On est en train de... Y'a personne sur A. On va essayer d'aller se poser. J'avais vu ça encore. Il y a très peu de gens. Il y a très peu de gens à 50 mois. Il va y en avoir une dizaine peut-être. Tiens donc la personne du voisin. Putain, a été bloquée par mon automode. Ok. Ça a été sécurisé. Je vais essayer de le sécuriser, de le tenir. Ah, il est déjà à nous, mais je sais, mais il vient d'être pris à l'instant. T'as vu l'avion que j'ai ? Je vais pas survivre longtemps. Hein. J'ai un Focke-Wulf qui m'arrive dessus, plein de balles. Mon espérance de vie va être extrêmement limitée. Hein. Ok, mais il est pas loin. B est juste là. B est juste là. Allez, allez, allez. Hector, il est dans mon équipe, je crois. Ah, Choc Velour, t'es là depuis longtemps. Hein. Ça fait, c'est le Covid, hein. Choc Velour, il a découvert ma chaîne, voilà, il me connaissait de YouTube. Il est arrivé sur Twitch au début du Covid et il s'est sub. Truc de dingue. Allez, on retourne sur B. Hector, il est... c'est mon allié, Hector. Il est dans un joli Typhoon. Ah, il a perdu son MB5, malheureusement. Ah, il respecte le pack, d'accord. T'es en face, t'es un ennemi. Oh là là, oh là là. Là, ce que je vais faire, c'est absurdément stupide. Oh là là, le yak ici. Il a vu. Il a vu. Oh, il m'a tué. Putain, ce tir qu'il m'a fait. Ça, c'est le Yak 9, il a seulement 37 mm frontal. J'ai pris un obus de 37, ça m'a tué. Depuis bien YouTube, depuis 2015. Ça nous rajeunit pas tout ça. 2015. Hein. Écoutez, on a les deux points. Je vais retourner sur A. Je vais retourner sur A. Moi, par fil d'ennemi, je fais pas grand chose. Vous avez vu la différence de niveau quand je suis en biplan et quand je joue ça? J'y comprends rien à ce qui se passe. Ça va trop vite. Là, il va venir en frontal, comme d'habitude. Même pas, il est foutu son nid. Il est foutu. Je vais perdre de la vitesse. Je perds de la vitesse. Je tire pour ralentir. Ok, il va se poser. Oh, Hector, tu vas se poser, quel tchad. Vas-y, Hector, fonce. Hector se pose, on va le couvrir. Et ça revient à la charge. Voilà, il y a du, monde, il y a du monde. Il y a un Spitfire, il y a du 109. Au secours. C'est lui qui m'a tué tout à l'heure avec son yak. Oh non, pas encore. Pas encore. Je l'ai eu. Ça m'a tout coûté, mais je l'ai eu. Ça m'a tout coûté, mais je l'ai eu, c'est pas grave.
Ah François, j'ai vu le truc avant qu'on arrive. Non, l'aérien, j'aime bien, mais allô, tiens. Là, je suis nul. Bon, retour en gare, je suis désolé, les gars, moi. C'est catastrophique, hein. Regardez ça, deux. J'ai quand même abattu deux avions. Oh, Hector qui a fait 10 kills. Bravo, Hector. Et Stan Barnet, 9 kills. Oh là là, les PGM. Les vautours PGM. Très impressionnant. Bravo, les gars. Très belle game. Bah, tout à l'heure, je me suis éclaté en biplan. Hein. Là, on va dire que c'est pas trop le BR que j'apprécie. Hein. Voilà. Bon, on a quand même réussi à manger un bel avion. Hein. Les plus broken, c'est les avions. Ouais, ouais, tu fais poum poum et tu bouges. Hein. Bon, sur ce, je vais m'arrêter là, moi. Oh, regardez, j'ai débloqué le Heinschel 129. Je vais même pas le commander parce que je vais pas le jouer. Problème résolu. Voilà. Et. Première fois que je vois ton live. Bah écoute, ça tombe bien, PLS Tano, je vais arrêter. Écoute, merci de prendre le temps de regarder le contenu et de passer dire bonjour. C'est moi qui te remercie, mec. Si j'avais aucun viewer et si personne ne regardait, j'aurais l'air con. Merci de regarder, de prendre le temps de passer dire bonjour. C'est très sympa de ta part. Heureusement que t'arrives trop tard parce que j'étais bien salé tout à l'heure, j'ai fait de la merde. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Ce soir, Warship. T'as un tableau Warship ce soir sur le I-400. Énorme sous-marin japonais, pas très connu. Et ouais, donc très très gros sous-marin. Ça fait longtemps qu'on a pas fait un petit Warship. On en fait pas souvent des Warships. Pas facile à traiter comme des bateaux. Et en soirée, je continuerai sûrement du Shogun 2. Voilà. Le run sur Shogun. Bon, je m'arrête là. Passez une bonne soirée. Peut-être à ce soir. Puis sinon, passez une bonne semaine. Bon courage pour ceux qui taffent. Allez, ciao, ciao.